Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, mon nom est Sodalo, étudiante au Collège La Cité. Mon équipe et moi allons vous présenter une vidéo qui va vous parler du comportement du consommateur et les techniques pour fidéliser la clientèle. Bonne lecture! Oh, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Aïe, aïe, aïe. Oui, mais il y a un problème avec les T'as tapis. épuisé? Oui, il y a un problème avec les tapis. Monsieur, tu veux la cheville. Ah. Ok, on va appeler l'urgence. Ok. On va appeler l'urgence. On va appeler l'urgence. Ok. Bonjour, monsieur Tano. Bonjour. Monsieur, nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé aujourd'hui à la salle de sport. Bien. J'espère que vous êtes rétabli de votre blessure. Bon, ça va plus ou moins. Ma cheville commence à prendre un peu forme. Okay. Mais bon, il faudrait réparer franchement le tapis parce que ça pourrait vraiment. Non, ça, on va faire l'entretien. Je vais appeler le service technique. Ils vont changer la pièce qui est défectueuse et puis ça ne va vraiment plus se reproduire, monsieur. Mais notre souci, c'est vraiment vous. On va essayer de vous soigner et tout. Oui. Notre papier, votre chaussure là, on va l'acheter. On va vous remplacer la chaussure. On va vous remplacer la chaussure. J'ai vu que la chaussure s'est brisée et tout. Oui. Ok. C'est tout. Et puis, monsieur, vous avez droit à 3 mois gratuits d'entraînement. Ok. Ok. Merci. Vous avez droit à 3 mois gratuits d'entraînement. Donc, vous pouvez venir quand vous voudrez, mais quand vous serez rétabli. On va essayer d'abord de faire le suivi de votre santé, c'est le plus important. Merci. Et encore une dernière fois, nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est vraiment arrivé. Merci. Donc, ouais. Merci pour votre compréhension, M. Tano. Merci à vous. Merci. J'ai commandé du vin rouge. Oui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le vin que j'ai commandé. En fait, il y a eu un petit souci. Notre stock est fini. Oui. Il va falloir que l'on a commandé chez notre fournisseur. Oui. Il y a eu des ruptures de stock. Il va amener ça demain. Donc, c'est ce qui s'est passé vraiment. On n'a pas mis à jour notre stock. Ah, mais maintenant, c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment besoin de ce vin. C'est quoi le souci? Ça vient à quel moment j'en. Non, c'est ce que vous ne pouvez pas l'avoir aujourd'hui. Je ne pense pas que vous pouvez avoir le vin aujourd'hui. Malheureusement, vous ne pouvez pas l'avoir aujourd'hui. Nous sommes vraiment désolés pour ce désagrément, monsieur. Vraiment désolé. Ok, mais. Poser un autre vin qui ressemble à celui-ci. Ok, pas de problème, mais je vais commencer à manger ma nourriture. Ouais, j'espère que vous pouvez prendre bon et appétit. Je vais vous proposer un autre vin, voir ce qu'ils vous ont dit. Ok, c'est correct. Je mange après, je vous appelle si j'ai des problèmes. Oui, mais monsieur, mettez-vous à la fête comme chez vous. Ah, ok. Mon plaisir, bienvenue. Serveur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je constate qu'il y a des cheveux dans mon plat. C'est dû à quoi? Monsieur, vraiment, c'est pas de notre faute. Peut-être c'est la faute des cuisiniers, mais on va essayer de voir ce qui ne va pas. Monsieur, moi, ça n'est pas le plat. Faites comme si vous n'avez rien vu. Excusez-moi. Mais je suis déçu, hein. Non, mais ne vous découragez pas, s'il vous plaît. On va essayer de résoudre des problèmes plus vite que possible, s'il vous plaît. Ok. Monsieur, faites comme si vous n'avez rien vu. Nous sommes vraiment désolés pour ça. C'est la plus de produire. Okay. À chaque fois qu'on dit le cuisinier de porter les bâches, là, quand ils font la cuisine, ils le font parler. Là, je vais aller les parler secrètement. C'est correct. Nous sommes vraiment désolés, monsieur, pour ce qui s'est passé. Vous voulez un dessert, monsieur? Je vous offre un dessert, monsieur. Merci, c'est vrai. Pour combler ces manques de dysfonctionnement, on va vous offrir un dessert gratuit. Ok, c'est gentil. Vraiment, nous sommes désolés pour cela. On a eu à discuter avec les cuisiniers et cela va plus se reproduire. Ah, on espère parce que moi je suis courtois, mais par d'autres clients, ça pour éviter que cela arrive dans le futur, on a mis des mesures strictes.
dans les restaurants. Il faudrait que les gens, les cuisiniers portent des masques, quoi. Ne pas que les cheveux tombent, et puis aussi des gants, tout et tout. Donc, vraiment désolé pour ce désagrément. Merci. Oui, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Et vous allez juste payer à moitié prix là, avec tous ces désagréments que vous avez causés là, franchement. Vous allez juste payer à moitié prix, okay? Ok. Et moi, je vais terminer votre plat, et puis vous me faites signe. Ok, c'est correct. Merci. Okay, merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre compréhension. Merci à vous. Ça, c'est fini. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, bonjour. Bon, j'ai une chambre dans votre hôtel, mais je remarque que mon frigo ne fonctionne pas, alors que j'ai acheté des aliments pour le mettre à l'intérieur. Donc, il y a un problème parce que tous mes aliments sont gâtés et c'est pas qui va me dédouaner. Oh, monsieur, on va aller constater les faits. Peut-être que c'est un problème technique venant de nous. Monsieur Androman, vous pouvez aller constater les faits. On va venir voir ça. C'est ça? Oui, c'est celui-là. Okay. Mais il a arrêté le frigo. Ok, je constate. Je vais voir si c'est branché. Pourtant, c'est branché. Mais, ah oui, c'est vrai que ce n'est plus allumé quand même. Ah, c'est ça, j'ai appelé le service technique. Je vais essayer de voir ce qu'il peut faire pour ça. Okay. Mais de votre côté, ne vous inquiétez pas, on va vous rembourser. Et monsieur, ça vous dit de venir manger avec nous aussi dans le restaurant de l'hôtel? C'est correct, pas de soucis. On va essayer, vous allez au moins avoir... au moins les rabais, si c'est possible. Non, vous n'allez rien payer, on vous invite. Okay. C'est juste que nous, on vous invite pour... Parce que nous, vraiment... Pour les désagréments, ok. Oui, c'est vraiment vrai. Désolé pour ça. On va essayer d'appeler le service technique. On va vous remplacer aussi un autre frigo. Ok. Okay? D'accord. Mais ça n'a pas trop tardé pour le changement du frigo? Non, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis, on va vous remplacer encore ce que vous avez, tout ce que vous avez dedans. Mais ça nous fait vraiment plaisir de venir manger avec nous aujourd'hui dans le restaurant. D'accord, c'est correct. Vraiment, monsieur, désolé. Merci encore pour votre compréhension. On va essayer de résoudre le problème au plus vite possible. Et ça va plus se résoudre parce que ça va plus. Ça va plus on va essayer tout que ça ne se reproduise plus. Oui. Ok. C'est ça. Désolé encore pour ça, monsieur. Désolé. Merci. On vous retrouve dans vos chambres d'hôtel, c'est bon? Ok, merci. Ok, à tout à l'heure. Alors, l'équipe, la vidéo tire à sa fin. J'espère bien que vous avez pu repérer les scénarios qu'on a soulevés dans cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, voire même des suggestions. Merci.